vidéo détente sur Happy Wheels. Donc ça faisait assez longtemps. Et cette fois, eh bien, on va faire les levels créés par les utilisateurs. Alors ça fait longtemps que je suis pas allée sur ce jeu. En tout cas, je sais que j'aime bien les obstacles aux courses. Donc on va partir sur ça. Voyons voir donc que je me rappelle les touches. Alors, je crois que... Voilà, ça c'est pour s'enlever. Ça c'est pour graber. Et ça c'est pour changer la caméra avec le gosse. Voilà, donc on est parti. Donc là, il y a de la... Oup là, backflip. On commence par ça. Double backflip. Donc là, il va falloir se bouger avant que les trucs sautent et m'envoient sur les pics. Ça, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas très dur. Donc là, on s'est pris des fers dans la tronche. Oh. Ah, ok. On va essayer. On va re-essayer. Allez, hop. On manioule. Allez hop. Je sais pas par contre comment faire dégager juste mon fils et pas l'adulte. Ça c'est une commande que je ne sais pas. Ça c'est pas évident. Après j'essaierai de nous faire un petit donc en fait sur les levels des éditeurs on retrouve quand même à peu près les mêmes levels. Merde. Les levels ont un peu les mêmes levels. Donc on a souvent les bottle run. Donc on doit courir sur des bouteilles. Souvent on a aussi les harpons run, donc c'est plein de harpons jetés, on va les dire. Oh, oh, c'était magnifique ça. Oh, c'était beau. Voilà, donc des harpons run, on doit éviter des harpons qui vont à tout à l'heure. Et sinon, on a aussi les rope swing, donc on doit s'accrocher à des ropes, donc à des cordes. Donc, on retrouve à peu près le même type de niveau, mais c'est vraiment des niveaux sympas. Après, il y a des niveaux extrêmement bien faits qui changent un peu de temps en temps. Non, mais... Oh, j'ai eu la chance. On va essayer de l'éviter, voilà. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh, voilà. Bon, pas mal de ce niveau. Ça aurait pu être mieux. Alors, Ninja Attack Concept. On va voir ce que c'est, ça. Alors, oulala. Donc là, on voit qu'on a une épée. Ah, attention, on va le garder sur nous. En fait, je dois lancer les épées. On va essayer de faire ça légalement. Légalement, qu'est-ce que je raconte? Non. Regardez ce qu'on va essayer de faire. Allez, toi, on t'a eu. Ah non, celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh, je me suis planté mon propre couteau dans la tête. C'est sympa. Bottle run épique. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous voulez voir ce que c'est. Ah, la technique souvent c'est de faire un peu de roue comme ça. Donc dès qu'on a la défense, c'est plus très dur, mais notre gosse il prend cher à l'arrière. Ah, j'avoue qu'il était sympa. Je vais échanger un peu des autres avec le petit tremplin. Fais un peu à la vite fait. Easy sword throw. Donc ça aussi c'est marrant. Donc souvent, bah, vous l'avez compris, on doit jeter des épées. Allez. Voilà, deux d'un coup. Ah, ça c'est beau. Non, trois d'un coup. Ah, ça c'est pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Non. Allez, on va l'avoir celui d'abas. Déjà, on va essayer d'avoir celui derrière. Non. Allez, oh, il va se planter. Oui, c'est magnifique. Allez, on va essayer de le soulever. Allez. Ah non, c'est pas possible. Ah, il nous a pourri notre level, lui. On peut plus. On va essayer de. Allez. Ouh, dans la tête. Non. Ah, t'as pile poil là où vous pensez. Ah, c'est magnifique. C'était beau ça. Alors, allez. Voilà. Ouh, trois d'un coup. C'est trop beau pour être vrai. On va essayer de le pousser un peu. Toi. Voilà. Et on va balancer le bébé. Et toi, on va essayer de t'avoir derrière. Non, là. Allez, hop. Voilà. Allez, on va essayer d'avoir celui de la fin, là. On va essayer de le pousser. Allez, on peut le faire. Non. Allez. Les sabres sont trop loin. J'arrive pas à les prendre. C'est pas grave. On va passer sur un autre level. Pogo course, non, ça c'est un peu rope swing, donc ça va être marrant.
Voilà. Allez, allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Notre gosse est pas passé. Allez. Ah, ils sont sympas, eux. Comment je suis censée la grimper? Non! Ouh. Il a pas l'air évident de se jeter ici. Allez, on chope. Ouais, c'est bien ça. On va aller un peu plus haut. Et là, on va se lâcher. Voilà, c'est bien, on a notre gosse avec nous. Ouh là là, on gère, on gère, on gère, on gère, on gère. Allez, on accroche ça. Non, on a perdu un bras, ça va être chaud. Oui. Je crois que j'aurais dû m'arrêter. J'espère qu'on a une deuxième chance en remontant. Voilà, donc je crois qu'on doit lâcher la truc quand on doit lâcher la truc pour aller ici. Voilà, on a réussi. Ah, c'est pas mal comme niveau. Oui. Non! Oh non! J'ai perdu mon drap pile sur la fin. Oh non. Bon, allez, on va essayer de le faire avec notre gosse cette fois. Ah non, ça va pas être possible. Allez, hop, on se lâche. Les bras en avant. Prêt à grimper. Non! Oh, c'est pas possible. Non, ah non. Allez, on fonce. On grimpe. Voilà, on l'a. Non! Ouh! Mon bras est resté attaché. Allez, allez, cette fois, tu tombes pas. Voilà, c'est bien. Des bras en avant. Pour pouvoir mieux la voir, celle-là. Non, faut mettre les bras en avant. C'est pas si évident que ça. Ah, j'ai... Ouh là là, je crois que j'ai perdu un bras. Donc, moins on a de bras, plus c'est chaud de faire ça. Par contre, là, on a le bras en avant. Voilà, donc c'est pas mal. On descend ici tranquille. Mais c'est vrai, quand il manque un bras, c'est tout de suite moins évident. Parfois, par contre, cette fois, j'ai la technique. Voilà, on s'accroche et on descend tranquillement. Non, j'ai pas pu l'attraper. Oh non, 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 ça c'est ballot. Non, ça c'est pas terrible. DM plus obstacle, on va voir ce que ça donne. Ouh là là, just don't press anything. On va essayer de rien toucher. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah, c'est de la merde. Bof, c'est pas terrible comme niveau. En plus, je me suis fait que je devais tomber au milieu et ça a raté. Bof, je suis pas fan, je suis pas fan. For fun. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah, j'avais bien commencé en fait. Ah, c'est chaud ici, c'est assez chaud. Home Jets, on va voir ce que ça donne aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le papy. Ah! C'est tout ce qui reste? C'est tout ce qui reste de moi? Non, non. Oh, mais c'est trop dur! C'est impossible! Il reste plus que le chariot. Change character, on va prendre. Peut-être qu'avec le pogo, on va pouvoir le faire. Non plus. Sûr que c'est pas avec le panneau qu'on y arrivera. Non, il est juste impossible ce level en plus. Allez. Exit tout menu, parce qu'il est impossible. Harpoon run extrême. Oh yes. Vous voyez voir, c'est ça les harpoon run. Ah, celui-là, il a assez de chaud. Souvent on essaye de faire prendre notre gosse, mais ça n'a pas marché. Ah, mais il est impossible carrément celui-là. Hein. Mais non! Ouh, j'ai la technique. Non! J'avais trop réussi. Il faut se mettre comme ça. Backflip! C'est ce que j'ai fait. C'est quoi ça? Wait. Bottle run, wait, one. Ah, c'était quoi ça? Oh, il était bien ce level. Alors, je crois qu'on avait des cadavres. Ouh là 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 là, bien. Ça, c'est pas très cool. Des cadavres sur la fin.
Ball Pro Extreme. Après, on va faire 2-3 level normal. Hein. Damn it. Ah oui, ok, on va prendre un 5. Merde. Ouais, moi aussi, c'est bon. Résume. Voilà, donc là, on est censé balancer les trucs, mais. Oh, oh god! C'est damn sympa, les venants. Ça, c'est quand on meurt. J'aimerais bien avoir le what the fuck damn là-bas. It. Non. Allez hop. Non. Non, ne tombe pas. Non plus. Damn it. Non. Donc on peut voir, alors, quand on regarde bien, on peut voir un papy avec, à côté des toilettes avec une mine, une autre personne assise sur une chaise et une autre personne assise sur une chaise. Ah, énorme. Quand on tombe sur le premier, en fait, la personne fait caca et ça tombe sur la mine, en fait, et il explose. C'est très sympa. Non, j'aimerais bien avoir le what the fuck là-bas, voir ce que ça fait. Voilà, voilà. Non. C'était pas celui-là que j'étais censé faire. On va voir ce que ça va donner. Et ça fait trop marrer de voir le papy. Allez. Oui, oui, non. Je vais voir ce que ça fait, le what the fuck là-bas. Bon, laissons tomber. Alors, on va passer sur... On va refaire quelques levels normales. Donc, il y avait un que je voulais faire. Bah, bien sûr, c'est... Non, je voulais prendre quand même ma revanche sur obstacle course. Parce que je me rappelle quand même que je l'avais fait en vidéo, celui-là. Et que je m'étais pris une de ces roustes. J'avais pas réussi à finir. Un level... que j'y arrive plutôt bien habituellement. On est bloqué. Allez, allez, allez. Allez, on se prend les flèches là. Non, 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 non. En fait, le plus dur, c'est le moment du harpon en fait après. Parce que il n'est pas si simple que ça à éviter. Donc là, ça, ça va. Ça encore, ça va. Après, se prendre la hache dans la tête, ça peut poser quelques problèmes. Non, pas les munchaku. J'appelle ça comme ça, je sais pas si ça en est. Voilà, non, oh là là là, oh j'ai chaud, non j'ai pas chaud. Allez, allez, on continue, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Ouh là là, on a vu une jambe fusée. Alors, on se baisse, on évite le sub. Oh non, il m'a juste chopé la tête, c'est pas possible, à chaque fois j'arrive à se lever leur vidéo et à chaque fois. Je n'y arrive pas après, ouh là là, oh belle pause. Allez, 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 allez. On va le faire. Ok, non, mais non, du coup, ça va plutôt. Je suis assez concentrée pour le coup, parce que j'ai envie de réussir. On va descendre tranquillement. Sans se prendre la tête. Ici, on va y aller tranquillement pour pas péter la glace. Et là, on va faire un backflip. Et non, ça marche pas du tout. Il m'énerve, ce level, il m'énerve. On va plutôt aller sur Temple Run, que je ne connais pas. Ou si j'ai déjà dû jouer une fois. Ah si, j'ai déjà joué. Oh, il est fun. Non. Non, 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 non. Ah, petit bug. Les mecs de Temple Run sont... Ah, il est quand même bien fait, je trouve, moi, ce level. Hein. Bon, vous me direz, c'est un level officiel. Non. Allez, tu passes devant moi et tu continues. Non, bon. C'est pas ça. Allez, on va en faire un. Essayer de plutôt se marrer dessus. Alors, Wipeout. On va faire celui-là. J'ai déjà joué et on va prendre pour changer la mère sur un tandem avec ses gosses. Et dont un dans le panier... C'est quand même un peu bizarre. Déjà, elle a son gosse dans le panier. Là, on met les courses normalement. Alors, elle, je sens qu'elle va prendre cher. Ouh là là, elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance. Moi, je vous le dis. Allez, hop. Grabe-moi ça. Ouh là là, oh, c'était magistral. Oh, comment j'ai réussi. On va essayer de prendre un autre personnage. Ouais. Prendre Papa Noël sur cette map. C'est pas vraiment la map pour le prendre, mais on va voir ce que ça peut donner. C'est les petits nains qui vont prendre avant, normalement.
Donc c'est là que je pense que je vais prendre cher. J'ai même fait bugger le truc. On va essayer avec Indiana Jones. Je teste un peu tous les personnages pour changer un peu. Indiana Jones qui n'est pas du tout mon personnage préféré. Je pense qu'il est... C'est le personnage préféré de personne même parce qu'il est bien pourri. Donc là on me voit même plus. Je suis saoul dans la truc. Je me suis fait exploser. Balcony Terror. On va voir ce que c'est. Tiens, on va prendre toi le pépé. Ah oui, voilà, c'est celui où on est censé descendre. On va prendre une autre personne pour changer. On va prendre Pogo. Avec un petit backflip. Allez hop, donc là on est... Le but est de descendre sans mourir à la fin. Donc là, il y a quand même des mecs qui shootent sur leurs voisins avec un fusil à pompe. Donc j'aimerais pas vraiment habiter dans ce quartier. Allez hop. Ouais. Double backflip. Et après, je sais pas ce qu'on est censé faire. Donc c'est pas grave, on va changer de niveau. On va descendre encore un petit peu. Et on va en faire deux ou trois. Et après, on pourra quand même arrêter. Haunted Mansion 4. 4, pourquoi j'y fous. On va voir ce que c'est. Donc ça doit être une maison en T4. Enfin, la quatrième map du mec qui fait là-dessus. Ah, ça a l'air plutôt bien fait. Oulala, le sang là. Ah, c'est bien fait, ça, je trouve ça pas mal. Avec les portes qui s'ouvrent à chaque fois. Si tu veux. Ah, t'as trouvé non. Ah, c'est trop bien, c'est bien, il est vachement bien fait. Ah, mais par contre, ça a l'air de faire mal cette espèce de glu là. Allez hop. Donc là, déjà, on voit le sang qui apparaît sur le mur. On va entrer directement. Après, ici, je sais pas ce qui se passe. Après, il y a ici un truc qui tombe du toit. On va essayer de pas mourir. Voilà, on n'a pas pris trop de dégâts. Oulala, c'est quoi ce machin? Je me demande si je l'ai pas déjà fait ce niveau en vidéo. Je sais pas où est-ce qu'on doit aller. Je me demande si ça me dit quelque chose là, les égouts. Dans... C'est quoi ça? Oh non, ne me dites pas que la créature qu'on a vue là est en train de nous courser. Si c'est le cas, on ferait mieux de se gourer. Non, c'est quoi ça? Oh, on dirait la bête, mais c'est la bête dans Amnesia là. Oh, regardez le guidon. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je suis... Happy Wheels est en train de cracher. Je comprends pas ce qui se passe. On s'est pris notre guidon dans le bide. Et il y a la bête d'Amnésia qui est en train de nous courir. Il y a des prisonniers. Par contre, là, le jeu est en train de bugger. Donc, on va se dire au revoir sur ce. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc là, on voit une petite fin assez sympa avec la bestiole d'Amnésia en train de nous tuer. On a notre guidon, on va dire, notre guidon de Vespa, comme dirait un youtubeur anglophone très connu, planté dans le bide. Donc c'est sympa. Et donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à lâcher un commentaire, un pouce vert et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, ciao tout le monde.